Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Shadow of the Tomb Raider. Alors la dernière fois, on s'en était arrêté ici. On venait d'arriver devant cette épreuve qui s'appelle l'épreuve de l'aigle, si je ne me trompe pas. Et on allait attaquer ça. On venait de là-bas et c'était la deuxième des trois épreuves, je crois, qu'il y avait à parcourir dans cette espèce de donjon ici. Donc on va voir un peu ce qu'il faut faire. Alors là, alors on peut peut-être monter sur ce truc là, là. Absolument pas. Absolument pas. Bon. Alors. Du coup. Là, je peux peut-être descendre en dessous, non, je vais tomber. Ouais. Alors. Je ne comprends pas. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'était ça. Est-ce que je peux pas m'agripper ça avec quelque chose? Non. Ah, d'accord, alors ça permet d'ouvrir ce truc. Je peux pas tirer plus que ça. Ok. Ah, oh putain. Ok. J'étais fatigué là. Hop. Oh là, j'ai failli tomber quand même. Faire attention. Attendez, je repositionne mon clavier là parce que hop, je suis pas bien. Et ma souris déconne un peu, j'ai l'impression aussi. Il y aurait une échelle si j'étais sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Ok, donc là on avance ici. Là on peut passer là. Là, on descend. Ok. Là, on peut monter là. Ah, on va pouvoir descendre ici. Clac. Alors, comment on descend, on rappelle déjà, comme ça. Voilà. Hop, on descend. Ok, donc on est arrivé tout en bas. Quasiment. Ah, il y a un truc qui tourne là-bas. On va pouvoir enrouler le machin pour l'ouvrir. Il faut arriver à passer de l'autre côté. Là-bas, on voit qu'il y a des trucs. Hop là. Ouh. Allez, hop, on monte. Je peux monter là? Non, il y a rien. Ah, faire le tour. Waouh. Ah, je monte là. Ok. Wow. Ok, on descend, là on descend, on rappelle. Clac, 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 clac. Ok, donc là on va faire... Wow. Raté, ah ouais, ici. Il fallait se mettre plus bas. Ok, on va prendre l'élan. C'est parti, wow. Comment on fait? Comment on fait pour lâcher la corde maintenant? Ouh. Ouh. Raté. Raté. Bon, j'avais pas compris comment on faisait pour lâcher la corde. C'était eux en fait. Allez hop, donc là on redescend. Oh, ça va, les checkpoints sont pas trop bâtards hein, dans ce jeu. Il y a des jeux, putain, tu meurs, tu dois tout retaper. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Non, c'est pas eux. Putain, mais c'est quoi alors? Mais... Sauter peut-être, barre d'espace. Ouais. Ah putain, c'était eux pour accrocher. Ok, ça fait un petit moment que j'avais pas joué, faut que je me réhabitue au raccourci. Ah, par contre, l'espèce de tic 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 qu'on entend là, j'ai vraiment l'impression que ça vient de... Putain, j'ai l'impression que ça vient de dehors, mais mon casque est... Mon
casque est plutôt pas mal et du coup j'ai l'impression que le son vient de l'extérieur de chez moi. Hop, ouf, c'est bon, on a réussi cette fois. Hop, donc là on va aller voir ces espèces de moulins à vent là. Ok, donc là on va pouvoir faire comme ça. Là-bas, ch'touk, l'accrocher là. Et là ça va y enrouler tout seul. Ah zut. Bah non. Ah si, ça a ouvert les trucs. Magnifique. Waouh, excellent. Ok. Donc ça a débloqué un nouveau truc. Là il n'y a pas des trucs cachés des fois. Non, il y a une belle cascade qui descend ici. Ok, bon. On va essayer d'attraper ces échelles là du coup qui tournent. Hop là. Ok. Oula. Ah oui. Ok, là on vient là. Faut que j'aille où maintenant? Là-bas, non, pas là-bas. Là, ici. Hop là. Ok. Oula, oula. Oula là. J'ai eu très très chaud là. J'ai eu vraiment très très chaud. Ok, donc là. Mais Ok, donc je suppose que ça va revenir. Il va falloir que je me dépêche. Voilà. Hop, allez, 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 hop, hop. Ouf. Ok, très bien. Je peux pas encore grimper. Ah. Pareil, donc il va falloir réactiver un autre truc. Ok. Putain, les mecs, ils étaient ouf, hein. À l'époque, il fallait se dire que quelqu'un... Enfin, quelqu'un qui voulait... Ouais, quelqu'un qui voulait passer était obligé de se taper ce truc-là, quoi. C'est quand même dingue. Ok, donc on avance. On suit le chemin. Non, 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 ne saute pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec le cadavre, mais... Mais c'était pas joli. Ok. Les chutes sont moins violentes que dans les épisodes précédents. Je sais pas si c'est dans... Je sais plus si c'est dans ce jeu-là. Allez, monte. Je crois que c'est dans ce jeu-là que... Avant, quand tu faisais une chute, t'entendais vraiment le... Enfin, quand tu tombais, peut-être pas quand t'étais dans le vide comme ça, mais t'entendais le... dans les précédents, il me semble que dans le premier, t'entendais le cadavre qui faisait... Oula! Oula! T'entendais les craquements des os, tu sais, le genre... Quand tu tombais. Oula, oula! Oula, oula! Oula, oula! C'était moins une. Ouais, c'était moins une. Y'a rien d'autre, là? Non, rien d'autre. Ok. Allez, c'est parti. Alors, là... Ok. Ouais. Ah, j'ai cru qu'on était au même endroit que tout à l'heure, mais en fait, non. Alors, là, il y a un truc. Est-ce que je peux pas faire ça ici? Ça sert à quoi, ça? Je ne sais pas. Je peux peut-être monter. Non! Mais... Non! Mais... C'est vrai que là, on tombe bien dans le vide vide. Bon. En même temps, ça me servirait quoi de monter là-haut? Hmm? Ça, si je l'accroche là, ça fait quoi? Rien du tout. À mon avis, il faut que je pète ce bout de mur là. Mais je ne sais pas comment. Attendez, il y a un chemin là, on va essayer d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a là. Ah, un livre. Fantastique, ça me sert à rien. Si tu caches les bons plats à tes invités, ils seront mangés par les vers. D'accord. Ok. Donc, mange les bons plats plutôt que de les cacher à tes invités. Ouais. Là, je peux rien faire, non? Là, je peux pas sauter, non. Donc là, je pense qu'absolument il faut faire ça. Ok. Je peux remonter là-bas, mais ça me sert à rien. Je
Je peux pas remonter. Je peux pas monter en rappel là, sur ce truc là. Ouais. Ok, il y avait de l'idée, mais c'est pas ça. Ah là! Est-ce que là, je ne peux pas avoir quelque chose par ce trou? Non. Absolument pas. Absolument pas. Et j'ai bientôt plus de flèches, je sais plus comment on en fabrique. Comme ça. Ok. Alors. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Ben voilà. Ok, allez, viens là toi. Ça pourrait marcher. Ah bah voilà. En fait c'était tout con. Donc là maintenant il faut que j'accroche ça. Là. Merde, le levier est trop usé pour tenir la porte. Ah merde. Le levier est trop usé pour tenir la porte. Ok. Vite. Cours. Ouf. Oui, ça va tenir. Yes. Malin. Voilà. Parfait. L'échelle devrait tourner. Ok. Donc là maintenant, on chope l'échelle là. Oula. Oh, ça casse tout. Oula. Oh, faut que je trouve un autre moyen de monter. Ça pète tout. C'est bon, je passe là-dessous, ouais, ouais, ok. Loulouloulou. Elle va pas tomber, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ok. Ah, là-bas. Ok, au milieu. J'ai compris. Ah, attendez, hop. On attend que ça passe, on court. Choc, choc. Oula. Ah. Monte. Mais. Bon. Bon, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, on va y arriver. Ok, faut faire gaffe à ce qu'il y a au-dessus, quoi. Ok. Pourtant, ça tourne avec ça, ça. Ah, mais pas le truc au-dessus. Attends. Le truc avec les pics, là. Allez, monte. Hop, voilà. Bon, là, on a l'air d'être à peu près en sécurité. Hop. Hop, on peut monter sur ce truc. Ouais. Ok, donc là on peut s'agripper. Voilà, clac. Eh ben, c'était pas facile tout ça. Bon, on est arrivé là. Toujours ces magnifiques cascades là tout le tour. C'est stylé cette espèce de trou là. Ah, des plumes. Des plumes, des plumes. Bon. Encore un effort. Ouais, encore un effort. Faut aller où maintenant? Ah, faut aller là-bas. Oula. Oula. J'ai cru qu'elle allait pas y aller. Mais là, j'y vais pas là-bas. Faut que je saute là. Ouah. Non. Là. Voilà. Hop, allez. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Allez, on est presque en haut. Ouais. Orakan. Oh. Un face-à-face dans un temple bâti en ton honneur. Stylé. Ouais, il faut que je fasse quoi maintenant? Ok. Faut que j'aille là-bas. Oh. Oula. Allez, on descend tranquillement. Ok. Ah oui, il y a l'échelle maintenant.
Ah oui, d'accord, elle tourne en plus. Ça serait trop facile. Allez, hop là. Oh putain. Allez, monte. 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 Allez. Putain, allez, monte. Dépêche-toi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Cours. Allez. Cours. Bordel. Ah, je crois que plus personne pourra faire cette épreuve après. Jonah, j'ai réussi l'épreuve de l'aigle. Je dois plus être très loin de la cité perdue. La cité perdue. Oh, des émeraudes. Cool. À un moment, ils sont venus ici quand même, ça veut dire... Ah. C'est bien un cas, oui, mais... Ça a l'air plus récent que la pierre en dessous. Ah. Ce serait un ajout. Je peux pas les déchiffrer alors ces trucs. Pas encore. Ok. Une fresque murale. Paititi prospère sous le regard et les conseils bienveillants d'Iskariawai. On construit des habitations, des temples. Le peuple vit dans la paix et la prospérité. Attention à Raskar Kapak. Oh, il y a un couteau. Pas le récupérer plutôt que notre couteau dégueulasse là fait avec un bout d'avion. Allez, bon, on avance. On est dans une espèce de grotte. Oh, c'est quoi ça? Des champignons. On ramasse des champignons en plus. Hop. Ah bah on pourra pas remonter là, je crois. Hop là, j'aurais pu faire un saut de l'ange, j'ai raté. Est-ce qu'il y a des trucs cachés dans l'eau? Ah, attendez, c'est quoi déjà? Ah, ça c'est plein. Rien du tout. Il faut qu'on aille là-bas. Hop, on ramasse les plantes parce que ça se vend. Pas pour les utiliser. On va à droite ou à gauche? Est-ce qu'on peut aller à gauche seulement? Je ne pense pas. On va aller à droite. Ouah. Alors un autre bout de grotte avec une petite des matériaux fantastique. Et là on monte où là? Non, ne descend pas. Hop, voilà. Clac, allez. Ouh, youpi. Ouah. Allez. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Ça sert à quoi d'aller là-bas? C'est peut-être pour y retourner dans l'autre sens. Ah oui, c'est pour y retourner dans l'autre sens. Ok. Donc nous, on ne veut pas y retourner. Allez, hop, on passe dans le trou. Hop là. Ouh, ça sent le traquenard un peu. Non? Il y a encore une épreuve, je crois. Hein. La cité perdue. Non, il y a peut-être pas d'autres épreuves, alors. Wouah. Comment ils sont allés pendre ces trucs-là, là? Jonah, la vue est fantastique ici. La cité perdue doit être tout près. Nara, j'ai réussi. Je te rejoins bientôt. Jonah? Merde. C'est grave stylé. Ah, feu de camp. Alors, on va prendre ça. On va faire une petite pause au feu de camp. Voyons voir, compétences. J'ai un point, mais ça suffira pas pour prendre des trucs. Et là, j'ai rien de spécial à faire. Ok, donc on continue. Là, il y a ces plantes-là. Comment est-ce qu'ils sont allés pendre ces trucs là-haut? Pistolet grappin. Lancez le piolet grappin avec eux pendant un saut. Pour vous balancer au travers du vide. Ok, normal, vas-y, et bah, allez. Ok, tout va bien. Qui a eu l'idée de faire un truc comme ça? Non mais, c'est pas possible, je veux dire. Il y a forcément un autre accès. C'est bien un jeu vidéo, ça. Ouais bah oui, on va faire l'autre là-bas. Je peux pas rester là. En plus, ça se pète tout la gueule. Wouah. Ça va s'écrouler.
Ok, Pour cinq tout sous. va bien. Ouais, c'était chaud, ouais. Putain. Non, mais en vrai, il y a forcément un autre accès. Les Mayas, ils faisaient pas comme ça pour aller dans leur grotte. C'est bien un jeu vidéo, ça. Hein. Ok, y a pas de truc caché là. Sceau de l'ange. Wouhou! Yeah! Ok, on est dans l'eau. Y'a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des mines. Des. De l'or. Ou des minerais en tout cas. Là, du minerai d'or. Cool. Ok, donc là il faut qu'on aille là-bas. Hein. Tu me feras quand même pas croire qu'il n'y a pas un autre accès. Oh, encore du minerai. Oh, de l'émeraude. Ça se trouve comme ça en vrai de l'émeraude? Je suis pas sûr. Hop. Peut-être. Je suis peut-être pas assez calé en minéraux. Un oiseau. Ok, on continue. Oh, la petite grenouille. Hop là. Oh, des cadavres. Miam miam. La cité perdue. Jonah, je crois que je l'ai trouvée, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent. Le serpent avec un œil d'argent. C'est bien, il y a de l'exploration un peu. Je veux dire, là on est tranquille, on sait que... Enfin, on sait, remarque, non, on sait pas. C'est quoi ça? Il y a une grosse bébête, je sais pas ce que c'est, je tire dessus. Normal. Oh, c'était un lama. Oh, le pauvre. Merde. Alors, tiens, là, il y a un passage. On va pouvoir aller là-bas. Je sais pas comment, d'ailleurs. Pas comme ça. Il va falloir accrocher ça quelque part. Là-bas, on peut escalader. Ok, là-bas il y a des cabanes, il y a peut-être des trucs dans les cabanes. Peut-être pour moi. Eh oh ? Quoi ? Ah, il y a quelqu'un là-bas. C'est un enfant. Qui est là ? C'est un enfant. On ira voir après, je vais faire un peu le tour là. Tiens, ça on doit pouvoir l'ouvrir. Ouais. Allez. Ah, de l'or encore. Oh yes. Pas mal de trucs. Ok, je vais juste faire le tour avant de... Matériel manquant. Besoin de l'ascendeur à cordes. Très bien. Bon, on va aller le voir maintenant. Je pense qu'on a fait à peu près le tour là. Je pense pas qu'il y avait autre chose. Si, là il y a l'air d'avoir une boîte, non? Non. Là on est passé, là on est passé. Là on y est passé aussi, ouais, tout ce qui reste c'est les animaux maintenant. Ok, allons voir cet enfant. Presque. Ah, il parle notre langue en plus. Fantastique. Ça va? Je peux vous aider. Va-t'en, t'as rien à faire là. Écoute, je sais que ça fait mal, mais... Maupuchul. Maupuchul. Ok. C'était pas très compliqué. Il est mort. Trinitaire. Les trinitaires. Tiens, c'est marrant ça. Enfin non, c'est pas marrant.
Donc les Trinitaires seraient une espèce de guilde qui date de Mathusalem, qui existerait depuis des temps très anciens. Et eux parlent notre langue à tous les coups. Évidemment. Fantastique. Qui es-tu ? Voilà. Qu'est-ce que tu fais là ? Parfaitement en plus. Je fais des recherches. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Ah, oh, d'accord. Mais je vous veux pas de mal. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici? Mais tu es sain et sauf. Si froid que ça au Mexique. C'était pas au Mexique, c'était au Pérou, je crois. Je sais plus. Si tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvés ? J'ai trouvé une carte dans un temple. Je m'attendais à des ruines, pas des gens, ni rien de tout ça. Le culte, pourquoi s'en prendre à votre fils ? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire ? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire ? La voler ? La vendre ? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Sa place est dans un musée. Pourquoi ? Pourquoi tu les détestes ? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci ? Vous savez ce que c'est ? C'est Paititi. Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil, alors ? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là ? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Ça me fait pas peur. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte ? Oui. Amenez-le. Jonah. Est-ce que ça va ? Tu connais cet homme ? C'est mon ami. Et Abby ? Ça va. Qui d'autre te cherche ? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Etsli, donne des habits à cette femme. Ushu, tiens-lui compagnie. Je fais aussi vite que possible. Ok. Des habits ? Pourquoi des habits ? C'est très beau ici. Silence. Incroyable et impossible. Enfin, je veux dire, dans la vraie vie. Parce qu'un truc comme ça... ouais, mais c'est immense en plus, quoi. Genre, un truc comme ça, dans la vraie vie, les satellites, ils l'auraient déjà repéré, quoi.
Rejoignez Unuratu dans le quartier du marché. Nouvelle aventure. Écho du passé. Merci d'avoir acheté la forge. C'était compris. Une nouvelle mission vous attend à Kuakiaku. Les mystères de la forge attendent. Vous pouvez accéder à cette mission dans le menu mission secondaire. Ok. Ok. Très bien, donc on a une nouvelle aventure, une mission secondaire. On verra ce qu'on fera, on y fera peut-être sûrement à la fin. Une fois qu'on aura terminé l'aventure principale, peut-être qu'on fera les. Je verrai si je suis motivé à faire les quêtes annexes. Enfin, les missions, les aventures annexes. Ok, donc sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine, parce que ça fait 30 minutes que je tourne. Donc ça fait une bonne petite vidéo, donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis eh bien, à bientôt pour la suite de ce Let's Play sur Shadow of the Tomb Raider. Allez, salut à tous, ciao !